m'a dit que maintenant c'était l'ère du 2.0. Que les écrits là, ça n'impressionne plus personne. Que maintenant, si tu veux dire quelque chose, il faut que ce soit les images 2.0. Donc moi aussi, j'ai décidé que 2.0 là, moi aussi je suis dedans. Aujourd'hui, j'ai réfléchi, nous tous on réfléchit, non? Nous tous on réfléchit. Donc j'ai réfléchi et je me suis demandé pourquoi donc tous ces Africains là s'entêtent à vouloir faire lire des Africains aux Africains. Je m'explique d'abord, Je sais que je devais commencer par vous dire que non, c'est important, la lecture. Non, c'est bien de lire la culture, l'africain, machin, tout ça, blabla et tout. Non, pas aujourd'hui. Là, c'est la prochaine fois. La prochaine vidéo, là, je vais vous expliquer pourquoi. Non. Ce soir-là, je me demande pourquoi tous ces gens-là, ces Africains-là, ou pas les Africains d'ailleurs aussi, les autres aussi, hein, ils se battent tous les jours là pour essayer de faire lire des livres des Afriques aux Africains. Avec des résultats médiocres. Même médiocres. Et ils s'entêtent. Ils s'entêtent, non? Bon, j'ai réfléchi comme tout le monde. Parce qu'aujourd'hui là, on réfléchit et puis on met des images sur Internet. Moi aussi. Je fais comme tout le monde. Je suis moderne. Mais je me suis rappelé que peut-être tout ça venait. Ça avait une ressemblance avec des choses que j'ai vécues dans mon passé. Vous savez, le passé post-adolescent, là, hein, vers 22, 23 ans par là, quand on allait encore en boîte, là, quand on allait passer nos journées, nos nuits à l'Atlantis, au Nelson. Bon, là, les moins de 30 ans, là, faut vous mettre sur le côté parce que les références, là, c'est pas pour vous. Donc, je faisais le parallèle avec la vie de clubbeur. Je m'explique. Vous savez, le vendredi soir, là, quand vous arrivez vers 22h, vous avez le doigt qui tremble sur la gâchette du parfum qui vous arrose tout le corps. Pour sentir la vanille à la fraise. En fait, vous êtes rempli d'excitation. Vous avez déjà, vos gars vous ont donné rendez-vous, vous êtes donné rendez-vous vers 23h à côté de la porte, à côté du tonton Zahiroa Balèze, là, spécialiste du recalage, pour rien même. Ce type. Non, mais vous êtes sûr de vous. Vous savez que vous allez entrer. Vous avez laissé votre ribe là-bas. Tellement c'est devenu votre maison. Donc l'excitation. L'excitation, c'est parce que vous vous dites que là, ce soir, là, c'est va être le carnage. Les donzelles là vont tomber. Vous, les damoiseaux, hein, pour les femmes. Parce que moi, la fin n'a pas de sexisme. Donc, vous êtes dans l'excitation. C'est comme quand on commence à faire la promotion de la littérature des Afriques. Vous êtes excité. Vous voyez autour de vous, vous vous dites, mais quel potentiel de lectrice et de lecteur, bien sûr. Là, je ne suis pas sexiste. Et vous voyez le potentiel. Et vous tremblez. Vous vous dites que, mais là, je vais commencer. Je vais faire lire des dizaines de Samichak. Des dizaines. Hein? Je vais faire lire des tonneaux et des tonneaux de Gisèle Pinot. Hein? Vous vous dites quoi? Que, c'est quoi? Moïse Izegawa, chronique abyssinienne. Vous vous dites que, mais les gens vont rentrer dedans, vont lire ça par tonnes. Mais je dis quoi? C'est comme en boîte, non? En boîte, vous commencez comme ça. Et puis, vous arrivez vers 5h.
Vous vous rendez compte que vos gars là, ils ont fini votre Sky. Ils sont bourrés. Vous vous rendez compte que là où vous êtes assis là, il y a des filles qui sont venues mettre leurs fesses sur votre table là, qui ont bu votre vodka, coca, comme si c'était de la cristalline. Et après, ils vous disent, non, j'ai pas de numéro de téléphone. Et vous êtes vénère. Et vous êtes vénère. Mais la promotion de la littérature, c'est comme ça. Vous faites beaucoup de choses. Vous vous défoncez, vous dansez comme si vous étiez sur la piste du Nelson, en train de casser du mala avec le son de Machu, 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 Machu. Ça, vous savez ça, Lumbinder, là, c'est pour les moins de 30 ans, là, faut vous mettre sur le côté. Vous connaissez pas. Donc, la littérature, c'est ça. La promotion de la littérature, c'est ça. Vous avez dépensé beaucoup d'énergie. Vous arrivez là au résultat médiocre. Mais les gens, plus les gens vous félicitent. C'est bien ce que vous faites. C'est comme vos potes, non? C'est vous qui avez payé la bouteille de Sky là le soir. Ils ont bu, ils ont bourré et puis vous disent, mon gars, tu es un bon. Et vous, vous êtes sorti, vous êtes rentré bredouille, vous n'avez pas atteint vos objectifs. Et ils vous disent, merci, félicitations. Et ils n'ont pas acheté de livres, ils n'ont pas lu. Donc toute la semaine, là, vous êtes vénère. Toute la semaine, vous vous dites, plus jamais ça, plus jamais ça. Toute la semaine. Et puis vendredi arrive, alors que vous vous étiez dit que je vais rester dans ma grotte au fin fond de mon village là, hein, à me noyer dans des quoi? C'est quoi ça? À me noyer dans des carcassonnes, boire ça par tonneau, par litre. Je vais me saouler avec des Ralphani, moi, la Congo, là, dans la boue de Saint-Pierre, là. Hein, je vais me pendre avec des Rachid Santaki, là, et tout. Je vais rester dans mon fin fond de chez moi. Mais après, vous ne pouvez pas. Vous êtes un passionné de la fesse ou de la lettre, ce que vous voulez. Mais vous ne pouvez pas vous accepter comme ça, la déculottée. Vous ne pouvez pas accepter la défaite. Vous vous dites, mais comment? Hein? Il y a des Driss Kraïbi qui traînent là quelque part, là. Il faut le potentiel pour les lire. Hein? Il y a des Ken Bougoul qui sont encore là. Il faut les lire. Donc, vous repartez à la guerre. Vous repartez à l'assaut parce que vous vous dites que l'homme palier de Franquito, là, il y a bien une lectrice qui va prendre. Et vous, vendredi, là, à 16h, vos potes vous renvoient déjà des messages. Ce soir, mon frère, on sort. Il y a du potentiel fécial. Ou lectrice. C'est pareil. Il y a du potentiel. Donc, vous remettez le smalto, la cravate qui vient de la rue Mélène. Et parce que Nelson, c'est la cravate, c'est le décalage direct quand vous êtes sur le côté. Hein? Les moins de 30 ans, là, allez dormir. Donc, vous vous rhabillez. Vous vous dites, bon, on va peut-être changer la stratégie, couper comme ça, hein? Peut-être faire lire des choses comme autre chose, quoi. Mais vous revenez encore. Vous vous dites, ah, mais c'est important de lire cette littérature des Afriques, là. C'est important de lire des Africains. Et vous vous rappelez que dans votre préadolescence, il y avait un gars qui disait, on monte, on descend. Les auteurs des Afriques, là, on va les lire. On va les lire. C'est tout pour aujourd'hui. Et je reviendrai. Mmh.